The rich agricultural lands of Prince Edward Island earned it the nickname the Garden of the Gulf. In Melpec Bay, farms line the shore and fields slope right down to the water. The potato farms will have nutrients that run off through groundwater or streams into the bay. Yes, exactly. So all these nutrients are gonna increase the production of this algae, the sea lettuce, in the water. Ce qu'on étudie ici, c'est la quantité d'une algue qui s'appelle ulva, ulva lactuca. Ulva is an important food source for many marine species, and we humans like to eat it too. So I'm going to take these big tongs. Okay, and then... agricultural nutrients increase the production of ulva so much that it threatens the biodiversity of the habitat. On essaie de comprendre, de quantifier, de mettre des nombres, des valeurs sur cette croissance et quels impacts elle va avoir sur les autres composants du système. So now we're going to put it in essentially a really big salad spinner. Okay, and this is how I get my arm workout for the day. Okay. So you can see it's a lot drier now. So we put all of the sea lettuce in a bag. Cette algue, quand elle grandit, elle prend des nutriments qui sont présents dans l'eau. Ces nutriments sont ensuite plus disponibles pour des espèces d'algues beaucoup plus petites, microscopiques, qui servent de nourriture pour les huîtres, pour les moules. So it looks like we have mussels. Some mussels here. Yeah, different algae species here. Oh, we've also got some oysters. There are a lot of very small snails. Quand cette algue va, à la fin de l'automne, va se dégrader, va être grignotée par toute une série d'organismes dans l'eau, toute cette activité va consommer de l'oxygène. Et cette activité de dégradation, elle peut aller à un tel point que l'oxygène présent dans l'eau diminue très fortement. On parle alors d'hypoxie et tous les poissons, les crabes, les différents coquillages qui vivent ici, quand ils n'ont pas d'oxygène, ils sont mal en point. And when you have too much ulva, it can also crowd out other species like eelgrass. Quand cette algue se développe, elle peut complètement recouvrir toutes les espèces qui se trouvent en dessous, sur le fond. Et ça peut être problématique pour par exemple l'azostère qui a besoin de lumière pour se développer. And eelgrass is crucial because it's a species that actually creates habitat and helps maintain the biodiversity of the bay. Ulva is not attached, it's just floating, oh, right, okay, in the water. Compared to the eelgrass, which has roots, a root system. Because it's a flowering plant. Yeah. So you have here the root part, and that's the leaf that's gonna stick out of the mud. Eelgrass acts as a buffer, slowing down wave action. At the same time, it offers a three-dimensional structure for sea creatures to shelter in and grow on. Eelgrass and ulva both have a role to play in Malpec Bay. It's a question of finding a balance. This place truly is a garden of the Gulf, but a healthy garden requires careful tending. Je trouve que cet environnement est vraiment spécial parce que c'est très dynamique et je trouve ça très intéressant et puis en plus bon c'est assez joli alentour et puis quand il pleut pas, quand tout va bien sur le bateau, qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment sympa comme travail.